C'est une belle sensation de lâcher prise et en même temps de garder le cap. Pousse Camila, doucement, doucement. Ouais, mais quand tu vas. L'objectif en fait de la navigation dans le cadre du programme Airship Sisters, c'est de voir nos comportements en mer, qui sont des comportements vraiment dans l'action, dans le mouvement, qui ne sont pas forcément réfléchis. Après, on va prendre du recul sur ces comportements-là. Quelle posture on a eue? Est-ce que naturellement on prenait une place plus de leader? Ou est-ce que naturellement on va écouter et comprendre et observer? Ou est-ce que naturellement on va plutôt ressentir et voir s'il y a des ponts à faire en tant qu'entrepreneur, si ça correspond à notre posture et à notre manière de vivre en tant que professionnel. Ça m'apprend à sortir un petit peu de ma casquette chef d'entreprise, c'est-à-dire arrêter de vivre, manger et boire par ma société et de pouvoir prendre du recul sur moi en tant que chef d'entreprise, ce que je peux apporter et mes freins et mes peurs, de pouvoir travailler sur le lâcher prise, d'être dans un groupe et de pouvoir justement échanger sur les différents projets, avoir une intelligence collective et une émulsion. Ça fait très 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 longtemps que je cherchais à trouver un alignement entre ma passion pour l'océan et ma mission de vie de justement faire de mon mieux pour protéger la planète. Avec Airship Sisters, je me suis dit que là je pouvais vraiment faire en sorte que les deux soient dans le même cap.